Ok. Alors, on va juste dire bonjour. Alors, bonjour Clément à qui démarre. Ouais. Donc, aujourd'hui, Pierre va rencontrer Clément pour son troisième match à distance. Clément qui va commencer le match. C'est Pierre qui lui a laissé cet honneur puisqu'il est plus jeune. C'est gentil. Merci, Pierre. Voilà. Donc, ici à l'INSEP, il fait chaud, mais il n'y a pas de mauvaises conditions du tout. Je pense que c'est à peu près pareil en Suède. On va pouvoir attaquer ce match et je vais essayer de vous donner les résultats au fur et à mesure. La dernière fois. Bon match, Pierre. Bon match, Clem. Bon match, Pierre. Allez, Clément. Je ne sais pas si on te voit très bien. Ok, vas-y. Alors, c'est un 8 pour Clément. Pour Pierre. Deuxième 8 pour Clément, au même endroit à gauche, un petit peu d'air. Un 8 pour Pierre aussi. Et un troisième 8 pour Clément, qui attaque fort ce match avec 24 points. Bon, et ben, c'est Clément qui va prendre l'avantage dans ce match avec des volets à 23 et 24. C'est confirmé. 23 points pour Pierre. Il a fait une petite offrande à Clément sur cette première volée. Ici, le vent a un petit peu tourné à l'INSEP. Donc, on a eu du mal aussi à apprécier le vent. C'est donc Pierre qui va attaquer cette deuxième volée puisqu'il est mené. Qui est un petit peu rapide, qui attaque par un 9. Et tu places bien, Étienne. Un 8 pour Clément. Un petit point d'avance donc pour Pierre à cette première flèche. Visiblement à 8 pour Pierre aussi, les conditions ont l'air venteuses. Neuf pour Clément. Les deux archers se retrouvent donc à égalité après deux flèches.
17 partout. Et un 9 pour Pierre, donc 26 points. Clément qui a l'occasion de prendre davantage s'il fait un 10, et c'est ce qu'il fait. 27 points donc pour Clément, qui prend un net avantage déjà dans ce match avec 4,7 à 0. Là, ça dit que Pierre était un peu en difficulté avec le vent là sur la deuxième volée. Ça bougeait un peu. On remercie Aurore Traillon qui nous ramasse les flèches. Et qui court à 40 degrés. Elle avait juré de ne pas faire de sport aujourd'hui. Allez, Pierre qui rattaque ce match avec un 10 à cette troisième volée. On entend le bruit du vent. Qui ne sont pas faciles ici. 8 pour Clément. Ouh, deuxième 10, très précis pour Pierre. Neuf, presque 10 pour Clément. 3 points d'avance pour Pierre avant la dernière flèche dans cette troisième volée. Et il semblerait que Pierre, s'il n'a pas fait 30, il ne doit pas en être bien loin. Ça suffira donc largement pour l'emporter sur cette volée. Je vais tout de même attendre le résultat de Clément. Qui réalise un 9. Donc 26 points. Ça souffle pas mal hein, ici. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé sur la volée de Pierre. Pierre nous annonce 29. Ça ne change pas grand-chose au résultat. 4 à 2. Donc, pour vous donner un peu des nouvelles des archers, donc en cette période, vous savez, on essaie de maintenir un maximum l'entraînement, malgré une motivation qui, vous l'aurez compris, n'est pas forcément toujours au beau fixe. Pierre a réalisé une très belle performance, puisqu'avant-hier, il n'y avait pas trop de vent en Suède, il a réalisé 690 points. Et Clément, quant à lui, hier, a réalisé, si je ne me trompe pas, 325 et 341. Donc, encore des entraînements un peu irréguliers, mais... on essaye de maintenir un niveau de performance intéressant, même en été. Allez, c'est donc Pierre qui rattaque ce match. On voit le blason qui s'envole dans tous les sens. Ça ne l'empêche pas de faire un 10 sur cette première flèche. Vite, en bas à droite pour Clément. Pour Pierre après deux flèches. Pierre qui n'a pas le choix, il est mené dans ce match. Sept à droite, deux flèches à droite pour Clément. Et donc une nette avance dans ce match. Volé pardon pour Pierre. Ouh, très belle flèche en plein dans la croix. Le point, il sait qu'il revient dans le match, 4 partout. Et décidément, Clément qui n'a pas réussi à régler la mire avec ce vent, tout à droite. C'est combien, Clément ? Clément, il réalise la modeste performance de 22 points. Et donc Clément qui va attaquer ce match pour essayer de conclure par une belle volée. Allez Clément.
C'est déjà mieux, 9 et demi en bas à droite. Un 8 pour Pierre. Et donc un petit point d'avance à son adversaire dans cette dernière volée. Exactement la même flèche pour Clément, qui totalise donc 18 points. Il a l'occasion de revenir à condition de faire un 10. Et c'est ce qu'il fait. Égalité parfaite avant la dernière flèche. 4 partout, 18-18. Et un 10 pour Clément. Il va falloir que Pierre aille chercher le 10 pour obtenir un barrage dans ce match. Et ce ne sera pas suffisant. Visiblement, c'était un 9 cordon. On va attendre la confirmation, mais visiblement, si je ne me trompe pas, on aurait 28 pour Clément et 27 pour Pierre. Voilà, c'est confirmé. Ça veut donc dire que Clément l'emporte 6 à 4 dans des conditions un peu compliquées, changeantes, tantôt du vent, tantôt pas de vent. J'ai l'impression que c'était le cas des deux côtés, donc on va dire que c'était assez équilibré de ce point de vue-là. Merci Pierre, bravo Clément. Bravo. Merci Pierre. La semaine prochaine, on essaiera de refaire un match de nouveau. Donc, Pierre a pour l'instant une victoire face à Jean-Charles et deux défaites. Donc, une face à Chichi, une face à Clément. Et la semaine prochaine, il sera opposé à Romain Fichet. Donc, on tiendra au courant de la date et de l'heure. Un niçois d'adoption et un niçois de naissance. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à Aurore, merci beaucoup à nos amis suédois pour avoir une fois de plus organisé cette petite session. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut Pierrot. Salut.